Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous donner les résultats de trois études de genre que nous avons menées avec mon co-auteur Karim Idichefou, qui fait partie d'une école de commerce qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat. Donc la chaire gestion des risques et financement des PME travaille sur différents thèmes. Les premiers thèmes que nous avions abordés, c'était sur le rationnement de crédit des PME et qu'est-ce qui déterminait l'accord ou pas de la banque avec le niveau de taux d'intérêt et le fait de demander des garanties à l'entreprise pour le prêt. Et dans cette étude, nous avions une variable qui était le genre. Donc on avait déjà expérimenté cet aspect-là. D'ailleurs, j'en profite pour dire les résultats de cette précédente étude, parce que ce n'est pas inintéressant. C'est que les femmes dirigeantes de PME, à risque même pas équivalent, parce qu'en fait, leur notation est meilleure que celle des dirigeants hommes. Mais la banque leur demandait 14 points de base supplémentaires, c'est-à-dire 0,14% de plus systématiquement. Et on leur demandait plus de garanties aussi. C'est-à-dire que la garantie, il y avait deux questions, c'était est-ce qu'on vous demande des garanties, oui, non, et combien, c'est-à-dire quelle est la couverture par rapport au prêt. Et donc oui, on leur demande plus souvent des garanties. Mais par contre, une fois qu'on leur a demandé, c'est le même montant. C'est-à-dire elles n'ont pas, on ne leur demande pas un montant supplémentaire. Donc déjà, on avait expérimenté cet aspect. Et ensuite, on a travaillé donc sur l'aspect start-up, c'est-à-dire vraiment le démarrage des sociétés, puisque c'est très important, évidemment, la viabilité des projets à ce stade. Donc voilà, donc on travaille maintenant sur la phase d'amorçage. Alors les entreprises que nous avons pu voir, soit sont en test du produit, de leur projet, soit sont déjà, peuvent avoir une année de chiffre d'affaires par exemple, hein, ont déjà fonctionné une année. Alors ces études de genre, ça fait partie du domaine de la finance comportementale, donc finance comportementale. Vous en avez peut-être entendu parler puisque récemment, le prix Nobel d'économie en 2017 a justement été donné à un théoricien de la finance comportementale qui s'appelle Richard Thaler, qui est un professeur américain à Stanford et qui a montré que le comportement des individus, leurs caractéristiques individuelles, avait un effet sur les orientations des marchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses objectives et rationnelles qui déterminent le mouvement des marchés à la hausse ou à la baisse. Et donc les décisions étaient, décisions de financement par exemple, étaient induites par le comportement des investisseurs, des individus. Donc il y avait déjà ces travaux-là. Et par exemple, il est assez connu sur un thème qui est l'aversion à la dépossession. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il a montré qu'on accorde plus de valeur à un objet que l'on possède. Le même objet, selon que l'on le possède ou pas, on en donnera une évaluation différente. On donnera une valeur différente et quand il nous appartient, systématiquement, la valeur est plus élevée. Donc voilà, il y a tout un tas de biais de ce genre. Il a théorisé tout ça, donc c'est assez intéressant. C'est un peu compliqué à lire, c'est pas très grand public, mais puisque c'est un théoricien, mais c'est quand même très intéressant. Alors, donc, tous ces travaux, ça c'est les trois études. Bon, c'est juste un rappel. Hein. Bien sûr, maintenant, la langue de la recherche, on peut le regretter ou pas, c'est en anglais, donc tous les articles sont en anglais. Donc voilà, avec mon co-auteur Karim, nous avons donc mené ces études depuis, ça doit faire 4 ans, je pense, à peu près. Alors, c'est né d'une collaboration avec un grand réseau de business angels. J'expliquerai ce que c'est que ça. Nous avons rencontré le président d'un de ces réseaux. Donc, c'est des associations type loi 1901. Qui se regroupent, donc c'est des personnes physiques et qui choisissent d'investir dans des startups
et d'aider des jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes en tout cas du point de vue de l'entreprise, et de développer comme ça leur petit portefeuille privé. Et donc on a rencontré ce président qui a été extrêmement ouvert et qui nous a tout de suite ouvert les portes, ce qui est assez rare parce que c'est quand même des éléments confidentiels, hein. C'est des startups qui démarrent, parfois il y a des brevets, donc c'est des données évidemment confidentielles sur le lancement de certains produits. Alors, le genre, comme a dit Diana, c'est une construction sociale, hein, c'est un concept. Donc, je répète toujours que la théorie du genre, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Hein, c'est juste un concept et on essaie de voir si ça a une influence dans un certain nombre de domaines. Et là, en l'occurrence, dans la finance, hein, c'est pas quelque chose qui est assez courant. Donc, on essaie de savoir si le genre de l'entrepreneur et aussi le genre de l'investisseur de l'autre côté a un impact sur le financement de nos startups. Alors ça m'amène évidemment à parler des stéréotypes de genre. Je vais bien redonner les définitions pour qu'on puisse bien comprendre ce que nous on a testé. Donc je vous ai donné la définition du stéréotype. Donc ça va être un ensemble de croyances qui sont partagés dans une société et qui concernent eh bien, des caractéristiques des membres d'une catégorie spécifique. Les stéréotypes, ça peut être évidemment autre chose que sur le genre, hein, ça peut être sur l'ethnie, la race, etc. Donc en France, on ne fait pas de statistiques sur la race, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. Et par exemple, on montre très bien qu'un dirigeant de PME noir a moins de chances d'avoir un prêt et en plus on lui demandera un taux d'intérêt plus élevé. Bon voilà, donc il y a ce genre de stéréotypes. Donc ça fait référence finalement à la tendance des êtres humains à catégoriser les personnes en groupes généraux et donc à donner des idées. Alors, généralement, bien sûr, négatives, sur ces groupes de personnes. Alors, sur les stéréotypes de genre en particulier, ça veut dire qu'on attribue, enfin, que la société attribue des caractéristiques aux hommes et aux femmes, et que donc, ils se comportent de cette manière-là. Alors, ce qui est très connu, c'est les stéréotypes sur les carrières, par exemple, hein. On sait que les hommes, on va plutôt dire qu'ils vont être ingénieurs ou directeurs de société, directeurs financiers, tandis que les femmes, elles vont être infirmières, secrétaires, elles vont plutôt être dans les métiers, ce qu'on appelle du care, c'est-à-dire du soin à la personne, ou l'infirmière, bien sûr, on s'attend à ce qu'elle soit aimable, bienveillante, etc. Donc on va plutôt catégoriser les femmes dans ce genre de métier. D'ailleurs, aujourd'hui, enfin dans le monde daté d'aujourd'hui, donc paru hier soir, il y avait les photocopiées sur l'enquête de sortie des diplômés d'école de commerce 2016, la promo 2016, et il y a toujours un écart de salaire hein, de 11% sur les jeunes diplômés d'aujourd'hui, de ceux qui sont sortis à l'été 2016. Donc, les stéréotypes sont toujours, toujours prégnants. Alors, on va s'intéresser aux stéréotypes sur les mathématiques, où on considère que c'est un domaine masculin. Hein. Et évidemment, il y a eu énormément de clichés qui sont au cours du temps. Si on prend à partir du 19e siècle, hein, c'est parce que c'est là où il y a commencé à y avoir des études scientifiques ou pseudo-scientifiques sur le sujet. Par exemple, il y a eu un médecin français assez connu qui s'appelle Paul Broca, qui avait insisté, lui, sur la différence de poids du cerveau entre les hommes et les femmes et qui pensait que c'était la raison de l'infériorité patente, infériorité physique des femmes et infériorité mentale. Bon, donc évidemment, on n'était pas très bien parti. Donc ça, c'est quand même 1861, c'est pas si lointain. Il a fallu quand même attendre le 20e siècle pour que on s'aperçoive que le poids du cerveau a strictement rien à voir. Parce que, par exemple, le cerveau d'Einstein pesait 1,2 kg,
Celui du poète russe Turgenev pesait 2 kilos. Je crois qu'Anatole France était moins de 1 kilo. Bon, donc ça, c'est juste aucun rapport avec les performances. On ne peut pas lier poids du cerveau et performance. Donc tout ça, ça a mis beaucoup de temps. Et il fallut attendre la deuxième moitié du XXe siècle, même bien, bien sonné. Par exemple, un neurologue en France s'appelle Laurent Cohen, qui a justement montré que le cerveau est complètement plastique, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'évoluer. Parce que les clichés sur les mathématiques, c'est vraiment une querelle sur l'inné et l'acquis. Qu'est-ce qui est inné, c'est-à-dire le déterminisme biologique donné par la biologie, et ce qui est acquis par l'éducation, l'environnement, etc. Et donc il a montré que le cerveau n'arrête pas de bouger, c'est jamais fixé. Si vous vous mettez à faire une certaine activité, je sais pas, qui nécessite de regarder très souvent, d'être très attentif, vous allez développer une certaine partie du cerveau, donc les connexions, etc. Donc il y a énormément de travaux qui ont montré tout ça. Juste un petit chiffre pour vous indiquer. À l'âge adulte, on a à peu près 1 million de milliards de connexions dans le cerveau. Mais il y en a seulement 10% qui sont présentes à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a 90% qui vont être ensuite dus à l'éducation, à l'environnement, à l'attitude des parents, etc. etc. Donc ça n'a aucun sens de faire une différence, en tout cas par rapport au cerveau qui est toujours plastique. Et que donc 90% vient du contexte culturel et social. Donc c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Donc toutes les études précédentes, évidemment, n'avaient pas de valeur. Alors sur les mathématiques, pourtant, il y a encore des exemples où on voit que les clichés ont la vie dure. C'était le président d'Harvard, donc ça devait être en 2005, c'est Larry Summers, avait dit que, alors exactement sa phrase, c'était que l'absence de femmes parmi les grands mathématiciens était liée à des phénomènes biologiques. Donc là, on est en 2005, c'est quand même juste effrayant. Alors, bon, inutile de dire que ça a été un tollé dans la presse aux États-Unis, etc., pour dire qu'il racontait n'importe quoi. Et ceci dit, si on regarde le CNRS, il y a combien de chercheurs en mathématiques ? Eh bien, il y en a 86%, c'est des hommes. Et le reste des femmes. Et puis, si on regarde la médaille Field, hein, vous savez, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel, mais en mathématiques, qui est donné tous les 4 ans à des jeunes mathématiciens. Donc, ça, c'est depuis 1936 seulement. Et ben, il n'y a eu qu'une seule femme, en fait. C'est la dernière fournée, 2014. On n'avait jamais titré de femme mathématicienne auparavant. C'était l'iranienne, peut-être vous avez vu dans la presse sa photo, puisqu'elle est décédée au mois de juillet, en fait, hein, d'un cancer. Elle était très jeune. Mariam, je ne sais plus comment, son nom de famille, je vous dirai ça. Mirzakhani, voilà. Et qui avait les cheveux très courts, enfin, elle avait un visage très, très, très souriant. Les clichés sont durs. Alors, les filles sont moins bonnes en maths que les garçons. Alors, est-ce que c'est vrai ? Donc là, je vais vous parler de deux expériences qu'on appelle des expériences de laboratoire. C'est-à-dire que on a mis des personnes en condition et on a fait une expérience sur eux. Alors, la première, qui est très célèbre, puisque c'est Klaus Thiel, un professeur américain aussi à Stanford, qui a le premier parlé de menace de stéréotypes. Donc c'est ça le concept important et qui va nous servir dans nos études. Donc ça a été mené en 99, il y a une quinzaine d'années, sur des étudiants de haut niveau, des très très bons étudiants de mathématiques, au niveau Bac plus 4 pour nous. Et on leur a donné des exercices assez complexes, assez difficiles à résoudre, donc dans deux salles différentes, un mélange d'étudiants et d'étudiantes. Dans le premier cas, les examinateurs ont dit... C'est avant qu'il démarre. Ces tests, dans le passé, ont toujours donné lieu à des différences de résultats entre les hommes et les femmes. Mais ils ne disent pas dans quel sens. Hein. OK.
Dans la deuxième salle, les examinateurs disent dans le passé, ces exercices n'ont pas montré de différence de performance entre les étudiants et les étudiants. OK. On corrige, résultat des courses. Dans le premier groupe, les performances des filles, des étudiantes, sont moins bonnes. Elles ont moins bien réussi que les garçons. Et dans le deuxième groupe, aucune différence entre les garçons et les filles. Donc là, on voit ce que c'est que la menace du stéréotype hein, qui a été mis en évidence à cette occasion-là. C'est-à-dire que vraiment, la manière dont on amène les choses fait que ça induit une espèce de pression. Deuxième expérience, alors là, qui a été menée en France par des chercheurs d'Aix-Marseille sur des collégiens, donc ils étaient 454, donc deux salles, toujours pareil, et on leur donne, on leur montre, c'est un dessin, c'est la fameuse figure, je vais essayer de me connecter, de vous la montrer, c'est un dessin très connu qui a été mis en place en psychologie pour faire justement ces tests d'acquis et d'inné. C'est ce graphique-là. Et en plus, il est en couleur, hein, normalement. Voilà, ça n'apparaît pas, mais voilà. Et on leur montre et on leur dit, regardez bien, parce qu'ils ont 5-10 minutes, je ne sais plus, pour le regarder. Et ensuite, ils devront le refaire de tête, à main levée, sans règle. Dans le premier groupe, on leur dit, c'est un exercice de géométrie. Dans le deuxième groupe, on dit, c'est un exercice de dessin. Bon, résultat, eh bien, le premier groupe où c'était de la géométrie, donc des mathématiques, les filles ont moins bien réussi. Et dans le deuxième groupe, au contraire, celui qui était de dessin, elles ont mieux réussi. Voilà, donc là, c'est assez frappant quand même que la seule évocation d'une tâche mathématique... Eh bien, constitue déjà un obstacle pour les filles, en fait. Hein. Donc, tout se passe comme si, assez tôt, les filles intégraient cette idée reçue qu'elles sont moins bonnes que les garçons en mathématiques, et donc elles perdent leurs moyens. Et donc là, on voit une notion qu'on connaît bien, hein, pour ceux qui font des études de genre, c'est la confiance en soi. En fait, c'est toujours une histoire de confiance en soi. Où les filles semblent toujours moins confiantes dans leurs capacités. Hein. On connaît tous des tas d'histoires sur le fait que s'il y a un nouveau poste qui se libère, la femme, elle va penser à tout ce qu'elle ne sait pas faire pour ce poste. Donc elle va Tandis qu'un homme, même s'il sait faire que 20% des tâches, il va quand même se proposer et dire qu'il va y arriver. Donc cette notion de confiance en soi est très importante. Donc on voit dans ces deux expériences que l'idée reçue selon laquelle les filles sont moins bonnes en maths, eh bien, est tellement ancrée dans les têtes des filles que ça vient perturber le test. Et du coup, ça s'auto-entretient, puisqu'il suffit de le dire pour le déclencher. Donc c'est ce qu'on appelle évidemment une prophétie auto-réalisatrice. On dit que ça va se passer, du coup, ça se passe. Donc voilà, cette menace de stéréotype, c'est cette pression insidieuse que ressentent les individus donc quand ils sont en risque de confirmer les stéréotypes négatifs de leur groupe. Donc voilà, c'est la définition que l'on donne de cette menace. Alors, il y a quand même deux remarques. Ça a été montré par des psychologues américains. Le sous-nombre, le fait d'être en sous-nombre constitue une menace, déjà. Donc s'il y a peu de femmes dans un groupe, et donc là, justement, en finance, c'est ça qu'on va utiliser, puisqu'elles sont très peu dans un groupe essentiellement d'hommes investisseurs. Si elles sont en sous-nombre, c'est déjà un environnement menaçant. C'est ce qu'on appelle en homme les environnements menaçants. Par contre, dès que ça dépasse une certaine quantité, alors je crois qu'un article fixé à peu près à 15%, et eh bien là, la menace disparaît, parce qu'au-delà de 15%, elles sont déjà suffisamment nombreuses pour se sentir en force. Donc ça, c'était le dernier point. Alors l'avant-dernier point, c'était sur la manière d'amener le stéréotype. C'est-à-dire que s'il est amené de manière subtile, par exemple en disant « c'est un exercice de géométrie »,
Bon, bah là, le stéréotype est activé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un impact sur les résultats des filles. Par contre, si vous dites, non, mais là, les filles, elles sont vraiment trop nulles, elles ont toujours des plus mauvaises notes, etc. Si vous êtes vraiment un peu violent et grossier, il y a une réactance. La réactance, c'est un rejet, une révolte contre le stéréotype. Et du coup, il ne s'applique pas. Ils ont justement fait des expériences dans ce domaine. Donc, ça modère un petit peu la notion. Alors, le genre en finance. Bon, les stéréotypes courants, les femmes ne savent pas compter, je passerai là-dessus. Elles ont moins la fibre entrepreneuriale, que comme elles ont moins de charisme, c'est des moins bonnes dirigeantes d'entreprise, qu'elles prennent moins de risques, ce qu'on essaiera de regarder, et elles ont moins la niaque, hein, comme on dit, elles ont moins la volonté de réussir. Donc on va voir ce que ça donne. Du point de vue des résultats, alors bon, il y a énormément d'études qui ont des résultats. Alors quand on dit contrasté en recherche, ça veut dire ça part dans tous les sens. Et on a des résultats très très différents. Alors d'abord, les femmes créent des entreprises plus petites. Ça, c'est un fait, hein. Leurs entreprises sont toujours plus petites. Je ne donne pas les explications, hein. Ce sont des constats. Les banques prêtent aux entrepreneuses des montants plus faibles, avec des taux plus élevés, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure, et des garanties plus fréquentes. Alors d'un autre côté, elles ont des montants plus faibles, mais aussi parce qu'elles demandent des montants plus faibles. C'est pas que la banque veut les restreindre, hein. Elles ont tendance à demander juste ce qu'il leur faut et pas plus. Alors que les hommes vont plutôt avoir tendance à demander un montant plus important, même s'il n'en a pas la nécessité immédiate, en tout cas. Donc le fait de demander moins d'argent et d'en avoir moins fait que le développement des entreprises peut être aussi plus faible, hein, et qui sans doute explique qu'elles ont des entreprises plus petites. Ensuite, si on regarde en finance de marché, les gestionnaires de fonds, sur des portefeuilles, hein. Eh bien, il n'y a pas vraiment de différence de performance entre les deux, entre les hommes et les femmes. Il y en a qui disent d'un côté, de l'autre, mais bon, globalement, on n'arrive pas à conclure. Par contre, une chose qui est notée, c'est que c'est moins volatile. Alors, moins volatile, c'est-à-dire que les performances des fonds gérés par les femmes vont avoir des variations plus faibles dans le temps, alors que les fonds gérés par les hommes vont avoir une volatilité. Donc le cours, si vous voulez, va varier beaucoup plus. Donc c'est ce qu'on appelle une plus grande volatilité, parce qu'ils prennent plus de risques. Enfin, c'est sans doute l'explication immédiate. Donc pas mal d'études montrent que les femmes sont plus averses au risque, mais on verra qu'il faudra nuancer. Et certaines études montrent qu'en fait, ok, on montre que les femmes sont plus averses au risque, mais en fait, c'est dû à d'autres choses. On constate évidemment que ce sont des femmes, mais comme elles ont une éducation différente, elles ont des compétences différentes en matière d'investissement et de finance, ça peut expliquer le fait qu'elles soient plus réticentes à engager des investissements. Donc, c'est d'autres raisons qui font que elles sont averses au risque. Donc il faut faire toujours très très attention de ne pas tout expliquer par le genre. Par exemple, c'est assez connu, hein, même pour l'université, puisque quand la dernière étude qui a été faite montre que les étudiantes diplômées de l'université, c'est valable pour tout le monde, sont moins payées globalement que les garçons diplômés. Bon, mais en données brutes, oui, c'est manifeste, hein, y a un vrai écart. Simplement, il faut faire attention de corriger par le secteur d'activité, parce que les filles sont plus sur des secteurs où les salaires sont plus bas. Donc évidemment, ça tire vers le bas la moyenne. Donc il faut toujours corriger de ces différents biais. Alors, les business angels, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est des personnes physiques, hein, qui investissent leur propre argent. Donc ça, c'est pour ça que ces études sont intéressantes, parce que là, on est sur des données réelles. Hein. Les gens, ils ont vraiment mis leur argent dans les startups. Donc c'est un terme qui a été inventé dans les années 50 aux États-Unis. C'était pour faire la différence entre les investisseurs privés, personnes physiques,
et les investisseurs professionnels. Donc il y a toujours eu des business angels en fait, il y a toujours eu des gens qui ont mis de l'argent dans une société. Alors c'est de l'argent dans le capital, hein, c'est pas des prêts, hein, attention, c'est-à-dire qu'ils prennent des actions de la société, ils sont actionnaires. Alors ça a été vraiment un développement, les réseaux de business angels, à partir de 1958, parce qu'il y a eu une réglementation américaine, Small Business Investment Act, c'est-à-dire un plan de développement des PME destiné à combler ce qu'on appelle un trou de financement. Pourquoi ? Les gens qui veulent créer leur boîte peuvent toujours trouver assez facilement autour d'eux de l'argent pour créer, de faire le démarrage. C'est ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire les gens qui vous aiment, qui vous prêtent de l'argent. Ou bien les 3 C, c'est-à-dire les copains, les cousins et les cinglés. Donc, qui rentrent avec vous pour créer la société. OK, ils estimaient aux États-Unis jusqu'à 100 000 dollars. Et ensuite, le capital risque, c'est-à-dire c'est des fonds institutionnels, hein, ça peut être de banques, de compagnies d'assurance, qui rentrent dans le capital, mais eux, ils ne rentrent pas à moins de 2 millions de dollars. Donc, entre les deux, comment on fait pour se financer, hein, entre 100 000 et 2 millions de dollars, évidemment. Donc voilà, c'était ça ce trou de financement. Donc ils ont créé des avantages fiscaux, parce que c'est toujours comme ça qu'on aide le développement des startups, hein, en accordant des avantages fiscaux aux personnes physiques qui rentraient dans le capital de ces sociétés et qui donc en général rentrent pour, je sais pas, 500 000 dollars, quoi. C'est à peu près tous ensemble, hein, qui est à peu près le montant qui apparaît dans les startups. Alors, combien il y a de business angels, du coup ? Alors ça, c'est très difficile de le savoir. On connaît ceux qui sont affiliés à des associations. Bon, parce qu'on peut prendre les adhérents, etc. Mais bon, il y a des gens qui ne sont pas spécialement fédérés, qui peuvent mettre de l'argent comme ça. Il y a eu une seule étude qui a compté, une étude quantitative faite en 1988 aux États-Unis. Et c'est juste pour vous, donc c'est assez ancien, mais ça va vous donner le poids quand même que ça représente. Il y avait déjà à cette époque-là, en 88, 500 000 business angels, donc 500 000 personnes, et qui brassaient, c'est-à-dire qui apportaient aux startups déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Donc c'est quand même assez énorme, donc c'est un poids assez important. Ensuite, je pense que le deuxième grand marché, c'est la Grande-Bretagne, qui a beaucoup développé ce concept. Bon, en France, on est plus modeste, de tout point de vue d'ailleurs. Il y a environ, je vous donne les statistiques de France Angels, hein, qui est... alors, c'est une fédération des réseaux, c'est-à-dire qu'une association de business angels peut se créer et s'affilier à cette fédération. Bon, ça leur donne une visibilité et puis des avantages, ils ont une plateforme informatique, etc., commune. En France, on a investi par ce biais environ 500 millions. Bon, c'est déjà pas mal, hein, dans ce type de société, tout secteur confondu. Et pour avoir une idée de ce qui a été donné en 2016, vous voyez, c'est un peu moins de 43 millions d'euros. Donc en France, on est quand même plus modeste. Même sur le ticket. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ticket ? C'est le montant que va mettre le business angel dans une start-up. Donc, aux États-Unis, en moyenne, c'est 50 000 dollars. Et en France, c'est plutôt entre 10 et 20 000 euros, quoi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins. Au printemps, on avait été à un congrès aux États-Unis. Et quand je lui avais indiqué, le nombre de business angels qu'on avait, m'avait dit « Ah, mais ça correspond au nombre de la ville de Boston. » Bon, donc, on est encore modeste, mais c'est le début. Ce qu'il y a, c'est que les business angels, il faut voir qu'ils n'apportent pas seulement leur argent. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils font aussi du mentorat. C'est-à-dire qu'ils vont coacher les entrepreneurs. Ils leur apportent leur expérience. Leurs compétences, leur réseau social, ils connaissent des gens, voilà, ils font les entremetteurs, donc ils les conseillent. Donc voilà, il y a vraiment les deux aspects. Et ce qui montre un peu le profil des business angels, donc évidemment, il y en a qui sont très connus, donc je pense que le plus connu, vous connaissez,
Donc c'est Xavier Niel, hein, au moins. Lui, il a même une société. Hein. C'est via une société qu'il investit, mais bon, c'est le plus connu. Mais là, c'est des très gros montants. Donc là, ce sont des gens, soit des anciens cadres, donc jeunes retraités, qui ont envie de rester dans la vie active pour un peu d'argent. En général, par exemple, dans certains réseaux, il faut mettre à peu près 50 000 euros tous les 2 ans, sur 2 ans. Bon, c'est quand même pas énorme pour des cadres en fin de carrière. Donc, c'est des gens presque comme vous et moi. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Quoi d'autre ? Oui, donc en France, c'est une niche fiscale. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, quoique là, il parle de justement la supprimer. Donc, il faut suivre l'actualité. Alors, il y a plusieurs manières. Donc, la principale, c'est que ça diminue l'ISF. Hein. Vous pouvez déduire 50% de ce que vous mettez dans les startups de votre imposition ISF. Alors, il y a un plafond qui varie chaque année. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, ces financements sont quand même, au final, en partie, en tout cas, payés par l'État, quoi. C'est, puisque c'est une niche fiscale. Voilà. Alors, quel est le processus de sélection des entreprises, des projets ? Vous allez voir, c'est extrêmement sélectif, mais bon, c'est comme ça. En rouge, vous allez lire par tranche, c'est-à-dire pour 1000 porteurs de projets au départ, combien il y en a qui restent au fur et à mesure de la sélection. Alors, les porteurs de projets vont sur une plateforme qui s'appelle Gust. On leur demande pas de renseignements, hein, sur le marché, la concurrence, on leur demande leur business plan, enfin voilà, tout un tas d'informations qu'ils remplissent et qu'ils mettent sur la plateforme. Déjà, ceux qui ouvrent un compte pour 1000 au départ, il y en a déjà plus que 600 qui finissent de remplir et de donner les documents voulus. Donc on voit que c'est vraiment parfois un stade très très précoce et que tout n'est pas finalisé. Ils ne sont pas encore en état de mettre leur projet complet. Ensuite, il y a les permanents de l'association, ou le délégué général, enfin, regardent les différents projets. Et ils font une première sélection, bon, qui est quand même assez drastique, hein, puisque de 600, ils passent à 160. Donc, c'est quoi ? Ils regardent les choses habituelles, stratégiques, qu'on regarde en finance. Et puis, est-ce que c'est vraiment innovant ? Il faut toujours qu'il y ait une innovation. Ça peut être qu'un service, hein, ce n'est pas forcément un produit mirobolant, technique, avec un brevet. Mais il faut au moins que au minimum un service qui soit innovant. Donc il en reste 160. Alors ces 160, on les convoque et ils viennent à ce qui s'appelle un elevator pitch. Donc ils doivent faire une présentation, comme les speed dating, on a 6 minutes pour convaincre. Donc ils viennent avec un PowerPoint et ils présentent, ils ont vraiment 6 minutes pour convaincre le comité de sélection des business angels. À l'issue de ces présentations, il y en a donc tous les mercredis, en fait, dans le réseau qu'on a étudié. Tous les mercredis après-midi, c'est des séances de ce genre. Ensuite, ils discutent entre eux et ils en éliminent déjà encore 60, il n'en reste plus que 100. Et ils vont cela rentrer dans la phase d'instruction, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier dans le détail le projet. Donc, il y a entre 1 et 4 instructeurs, hein, des business angels qui se dévouent pour eux. En fait, ça les intéresse, hein, ils sont bien au courant du secteur d'activité, etc. Donc, ils vont rencontrer les porteurs de projets, etc., et donner un rapport. Et donc, ce rapport, à la fin, va leur servir pour se déterminer. Et pour que ça passe en plénière, donc l'étape suivante, vous voyez qu'il n'en reste plus que 24 après, il faut qu'il y ait au moins un business angel qui mette de l'argent dedans, qui dise « Ok, moi j'y vais, je mets de l'argent ». S'il n'y en a pas un seul, alors même si c'est très intéressant, ça ne va pas au stade suivant. Donc vous voyez que là, quand la sélection se fait, ce n'est pas forcément un gage de mauvaise qualité. C'est qu'après, il faut qu'il y ait vraiment des gens, il faut que ce soit une rencontre.
et qu'il y ait des business angels qui soient intéressés par le projet et qu'ils aient les compétences hein, aussi. Donc voilà, on arrive à la plénière. Donc la plénière, il y en a une ou deux par mois. Et il y a un projet, jusqu'à quatre projets maximum, qui sont présentés. Donc ils ont là 30 minutes. Et là, c'est l'Assemblée générale des Business Angels. Ce n'est plus un comité restreint, c'est tous. Donc nous, dans notre réseau, ils sont 419. Bien sûr, ils ne viennent pas à 419, hein. Ils sont beaucoup moins. Donc en tout cas, suffisamment nombreux. Et donc il y a cette présentation de 30 minutes. Et c'est là où nous, on a commencé notre étude, parce que tous les business angels présents à la plénière remplissent un questionnaire. Donc c'est là où c'est intéressant. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et ils notent les différents aspects du projet et ils indiquent s'ils ont l'intention d'investir ou pas, etc. Si le projet, finalement, recueille suffisamment de personnes qui veulent financer, eh bien, on rentre dans la période qu'on appelle due diligence, c'est-à-dire bah, il faut négocier le pacte d'actionnaires, c'est-à-dire à quel prix les business angels vont rentrer. Parce qu'évidemment, il faut se mettre d'accord sur le prix de l'action. Et ça, c'est justement souvent ce qui fait capoter. Parce qu'on voit qu'entre 24 et 15, alors que normalement, ça devrait être presque 100% de réussite, mais bon, bah, c'est souvent sur le prix de l'action qu'il y a divergence, en fait, hein, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc voilà pour le processus de sélection. Donc vous voyez que c'est assez sévère et il y a peu d'élus à la fin. Donc ça se termine par le closing. Le closing, c'est exécution du contrat, on finance, chacun apporte son argent. Alors, quelles données avons-nous à disposition? Donc, c'est le plus important réseau de Business Angels de France hein, auquel on avait accès. Donc, il y a environ 419 membres. Donc, il y en a qui sont invités, en particulier les Business Angels d'un réseau grande école voisin. Je ne donne pas de nom. Donc, il y a 9% de femmes là-dedans. Donc, elles sont assez peu nombreuses. Et donc on a travaillé sur 123 projets qui ont été présentés en plénière, donc des nouvelles start-up, parce qu'on a éliminé ce qu'on appelle les refinancements, parce que parfois des start-up donc, sont présentées, mais elles redemandent, elles font une deuxième levée de fonds, troisième, quatrième, il y en a même pas mal, mais là évidemment le processus est très très différent, donc on les a éliminés. Donc on a eu 123 projets avec tous les questionnaires, etc. On a su ce qu'ils sont devenus. On avait des informations sur les entrepreneurs, les porteurs de projets. Et tous ces projets, c'est pendant 6 ans. C'était la période 2011-2016. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le questionnaire? C'est ce qu'on appelle des échelles de Likert. Donc, ceux qui font du marketing doivent connaître. Première question, par exemple, est-ce que la présentation était claire? Donc, tout à fait d'accord. Assez d'accord, neutre, pas tout à fait d'accord, et pas du tout d'accord. Voilà, il y a 5 choix, et donc ils cochent. Voilà. Et donc nous, on met des points. Si c'est pas du tout d'accord, c'est moins 2. Bon, plutôt pas d'accord, moins 1, etc. Jusqu'à lorsqu'on pense que la présentation était extrêmement claire, etc., on met plus 2. Donc voilà, il y a ces notes qui sont données par tous les business angels, chacun a sa notation personnelle. Le deuxième critère, c'est la confiance en l'entrepreneur. Vous allez dire, c'est évidemment très subjectif. Hein. C'est est-ce qu'il vous a inspiré confiance? À ce stade de création d'entreprise, c'est évidemment fondamental. Hein, parce que le projet lui-même, OK, mais il faut une équipe solide pour mener le projet à bien. Donc, les deux premiers critères concernent la personne, l'équipe d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Les trois autres critères concernent plutôt le projet, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel. Avantage concurrentiel, ça veut dire quel est le positionnement par rapport aux concurrents sur le marché. C'est qui vos concurrents? Est-ce qu'on est en bonne position, etc. Le deuxième, c'est l'attractivité de l'opportunité. Donc là, c'est le marché. Est-ce que ça va être attractif pour des clients? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de clients? Quelle est la cible clientèle? Et la cinquième caractéristique très importante, la crédibilité financière. Donc là, ça va être la tâche un peu stéréotypée, puisque là,
C'est du calcul, hein, c'est vraiment voir si les business models, les prévisions, les chiffres, etc. sont crédibles et faits sérieusement. On leur demande, souhaitez-vous investir ? Oui, non. Et si oui, quel montant ? Donc ils remplissent. Et puis il y a une zone de commentaires que pour l'instant on n'a pas encore travaillé, enfin on n'a pas exploité, mais il y a sûrement des choses aussi à faire parce que parfois c'est assez intéressant de voir ce qu'ils écrivent. Alors juste un peu de vocabulaire, les Américains qui ont toujours le sens de l'image, les deux premiers critères qui concernent l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, ils appellent ça le jockey. Et évidemment, ce qui concerne le projet, ils appellent ça le cheval. Voilà. Donc, j'emploierai ce vocabulaire par la suite. Donc, il faut juste le retenir. Hein. C'est assez simple. Le jockey, donc, c'est celui qui va mener le projet. Et le projet lui-même, c'est le cheval. Alors, au final, on a eu 79 projets qui ont été financés, qui ont pu aller au bout à partir de la plénière, donc à peu près 64%. Une petite remarque qui est assez importante, qu'on verra dans les tableaux après, c'est que quand on prend les business angel femmes, qu'on regarde quelle est leur activité professionnelle, hein, 60% sont elles-mêmes des entrepreneurs, de PME. Hein, et 15% seulement pour les hommes sont des entrepreneurs. Donc on voit un profil assez marqué pour les femmes qui sont déjà dans le milieu de l'entrepreneuriat. 14%, un peu presque 15% des projets sont menés par des équipes féminines. Bon, donc c'est pas beaucoup évidemment. Les projets étaient séparés en 10 secteurs d'activité, donc 5 considérés comme stéréotypés masculins, comme l'industrie, l'électronique, etc. Et puis 78% des projets présentés avaient au moins une femme business angel dans la salle. Je m'explique que ça, c'est assez important. Comme elles ne sont que 9%, ben, il y a eu des plénières où il n'y avait pas de femmes business angel. Voilà. Et quand il y en a au moins une, c'est 78% des cas. Et ensuite, il y a parmi les femmes, ça, c'est les inscrites, les 9%, mais après, est-ce qu'elles viennent vraiment ? Donc, il y en a 8-49% qui viennent assister aux plénières, ce qui est à peu près 9, donc il n'y a pas de problème. La proportion est gardée. Donc voilà leurs caractéristiques. Bon, les hommes sont un peu plus âgés. Surtout, ils ont une formation scientifique à 52%, hein, alors que les femmes, c'est seulement 13%. Et puis, là, cet aspect entrepreneur en activité qui est très, très, très parlant pour les femmes avec 60%. Alors, les montants des projets, à peu près un demi-million, vous voyez, 530 000 euros, c'est le montant que recherchent les entrepreneurs. Leur société, il faut faire une pré-évaluation, c'est ça qui permet de déterminer le prix des actions, donc à peu près 1,7 million, vous voyez, en moyenne. 32% des projets étaient dans les domaines stéréotypés masculins, industrie, logiciel, etc. Alors, le ratio risque, c'est le montant demandé divisé par la valeur de l'entreprise. Donc, plus ce ratio est élevé, plus c'est risqué. Pourquoi ? Ça veut dire que vous demandez beaucoup d'argent par rapport à la valeur de départ de votre société. Donc, évidemment, plus c'est disproportionné. Voilà. Donc là, par exemple, 0,40, ça veut dire que vous demandez en moyenne un financement de 40% de la valeur actuelle de votre société. Donc, vous voulez faire plus 40%. Alors là, si vous séparez hommes et femmes, bien vous voyez que les montants recherchés par les femmes sont beaucoup plus faibles. C'est seulement à peu près 412 000 euros par rapport à 550. Alors, les petites étoiles, c'est juste un langage codé, mais c'est un langage statistique. Ça veut dire que comment dirais-je, pour faire très simple, la marge d'erreur, c'est 1%. 3 étoiles, c'est vraiment très fort. Donc, c'est assez juste à 99%, on peut le dire autrement. L'évaluation avant l'opération, il n'y a quasiment pas de différence, ça ne donne rien. Et sur le risque, oui. Vous voyez que les femmes, elles demandent 35% du montant
par rapport à la valeur de leur société, alors que les hommes demandent plus, taux 41%, et c'est pareil, c'est significatif, à 95%. Sur le ticket moyen, il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Mais c'est assez logique, parce que un business angel, il met un montant à peu près toujours le même dans les affaires, quoi. Il va pas... C'est pas parce que c'est une femme entrepreneuse qui demande moins d'argent, c'est juste qu'il y a, moins de personnes qui mettent de l'argent, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, une entrepreneuse, elle a 23% de chance d'obtenir un financement, si on regarde ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout, et c'est 27,6% pour les hommes. Donc c'est un peu plus. Si on regarde les notes qui ont été obtenues, pour les entrepreneurs hommes et femmes. La clarté de la présentation, vous voyez que les femmes sont mieux notées, mais ce n'est pas significatif statistiquement. Attention. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas donner de seuil. Hein. Donc, OK, dans l'échantillon, c'est comme ça, mais ce n'est pas une preuve. Ceux qui sont prouvés, c'est ceux qui sont en rouge. Alors, les femmes inspirent plus confiance, donc c'est assez... un peu curieux finalement, puisqu'elles ont moins d'argent, mais bon, leurs projets sont moins risqués, je sais pas. Donc en tout cas, c'est significatif, en plus très fortement. En moyenne, elles ont une note de 1,2, hein, donc vous savez que ça va de moins 2 à plus 2, donc sur l'échelle 1,2, c'est quand même assez élevé. Les hommes, c'est plutôt 1,04. Sur l'avantage concurrentiel, alors là, quand on passe sur les données plutôt projet, donc là c'est les hommes qui sont mieux noté, 0,63 donc pour l'avantage concurrentiel. Et puis sur la partie marché, clientèle, il y a aussi là un écart encore important en faveur des hommes, 0,75. Sur la crédibilité financière, il n'y a pas de différence. En fait, statistiquement, il se trouve que c'est 0,32, 0,36, mais on ne peut rien en tirer. Moyenne jockey, c'est juste... nous avons fait la moyenne des deux caractéristiques des entrepreneurs. Mais bon, c'est les cinq premières qui comptent. Et au final, si on fait la moyenne générale des cinq critères, on voit que c'est 0,8 pour les hommes, 0,8 pour les femmes. Il n'y a pas de différence. C'est juste à l'intérieur qu'il y a des différences. Sur la partie confiance, les femmes vont regagner des points, des entrepreneuses, et sur la partie projet, c'est plutôt les hommes. Et la partie crédibilité financière est hors course. En fait, il n'y a pas de résultat là-dessus. Sur leurs activités, je vous avais un peu dit. Sur la partie entrepreneur, donc là, il y a vraiment une activité principale pour les femmes. Elles sont plutôt écoles de commerce, vous voyez, 68%. Et par contre, les hommes, plutôt 43% écoles d'ingénieurs. Donc voilà, c'est... qui correspond aux stéréotypes traditionnels. Les secteurs d'activité, il y a quand même beaucoup dans les services, hein, 30%, mais ça, c'est aujourd'hui l'activité de maintenant qui vaut ça. Après, dans le logiciel, c'est vrai qu'il y a énormément de start-up qui se montent parfois même, c'est assez difficile de les classer entre services et logiciels. Quand c'est vraiment l'aspect informatique qui domine, on le met dans la partie logicielle. Alors, une petite remarque quand même, c'est que les femmes sont plus dans les services. Dans les projets qui sont portés par les femmes, 42,6%, c'est dans les services. Donc, presque la moitié, pas tout à fait, de leurs projets sont dans les services. Alors, ce qui n'est pas le cas pour les hommes, c'est beaucoup plus varié. Donc, les questions de recherche, c'est est-ce que les femmes, elles investissent différemment des hommes, hein, quand il s'agit de leur propre argent, pas d'une expérience de laboratoire. Est-ce qu'il y a des différences entre les entrepreneuses et les entrepreneurs du point de vue de leur projet, de leur comportement? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand les femmes entrepreneuses sont face aux femmes investisseurs? Est-ce qu'elles ont une attitude différente? Et donc, le 24 octobre, ça m'a fait rire, il y a eu un article dans Les Échos sur les femmes qui investissent, soutiennent-elles plus les femmes qui entreprennent? Donc, nous allons répondre à la question. Donc, on aura la réponse. Et est-ce que les femmes sont plus averses au risque que les hommes dans ce domaine particulier?
Pour nous, bon, là, c'est un petit peu technique, mais qu'est-ce qu'une observation ? On va travailler sur des observations. Une observation, c'est le croisement d'un projet et d'un business angel, c'est-à-dire les notes que le business angel a mis pour ce projet. Voilà. Donc, on a, de cette manière, 2682 observations. Donc, vous avez vu qu'on a des données sur les personnes qui investissent, sur les projets, sur les entrepreneurs, sur le devenir des projets. On sait s'ils ont été financés. Et pour mesurer le risque, si vous voulez, l'aversion au risque, il n'y a pas de variable qui mesure. C'est toujours ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des variables qui s'approchent de ce qu'on veut obtenir. Parce que l'aversion au risque, c'est évidemment éminemment subjectif. Donc on va regarder trois proxys. Le montant que le business angel a l'intention d'investir, vous savez, quand il remplit le questionnaire, si oui, combien ? Donc là, il met un montant. Donc, après tout, s'il met un grand montant, c'est qu'il n'est pas averse au risque. Hein. Et s'il met un petit montant, a priori, c'est qu'il est averse au risque. Ensuite, on va regarder à la même période la note qui a été donnée à la crédibilité du business plan, puisque ça, c'est une tâche stéréotypée qui se rapproche des mathématiques. Donc, si vous mettez une très bonne note, c'est que vous êtes en confiance. Voilà. Et si vous êtes plutôt averse au risque, vous ne voulez pas prendre de risque, vous mettrez une note en fait beaucoup plus faible sur la crédibilité financière. Et puis, à la fin, on regarde le montant réellement investi par le business angel. Combien il a mis vraiment. Donc, évidemment, tout ça basé sur les données réelles. Alors, les résultats, donc je vais faire ça en trois volets. Donc, en fait, on va bien montrer qu'un groupe de business angels qui est dominé, enfin dominé au sens de sous-nombre, dominé par les hommes, constitue bien un environnement menaçant pour les femmes investisseurs au sens de la théorie des psychologues que nous avons vu, la menace du stéréotype. Donc, finalement, dans un groupe de business angels où les femmes sont en sous-nombre, il y a bien une menace du stéréotype. Alors pourquoi ? Donc on a eu deux résultats. C'est déjà le premier, c'est que les femmes business angels, elles notent sur les 5 critères plus sévèrement les 5 critères. À chaque fois, c'est moins. Alors ils ne sont pas tous significatifs, hein, donc attention statistiquement. Il n'y en a qu'un seul qui est très significatif, hein, c'est la crédibilité financière, mais finalement, ça tombe bien entre guillemets, puisque c'est la tâche stéréotypée. Et elles notent 55% plus bas que les hommes business angels sur cette tâche précise d'évaluer le business plan. Ce qui est quand même énorme, et donc c'est fiable à 95%. Et il y a quand même une petite remarque, on s'aperçoit que cette pression du stéréotype qui s'applique dans le groupe des investisseurs, il est diminué par l'expérience de la femme business angel. Alors, on s'aperçoit qu'elle note moins sévèrement lorsqu'elle est elle-même entrepreneur en activité, c'est-à-dire que les 60% qui étaient entrepreneurs, en fait, elle note plus sévèrement quand même que les hommes, mais moins. Donc, entre les deux. Et lorsqu'elle est plus âgée, l'expérience, on a toujours deux critères, hein, c'est-à-dire qu'on considère que plus vous êtes âgé, plus vous êtes expérimenté. Bon, je pense que ça correspond quand même à la réalité. Et puis, si vous avez une expérience d'entrepreneuriat. Donc, voilà. Donc, c'est assez intuitif, finalement. A posteriori, on se dit, bah oui, c'est assez logique. Si elle a acquis de l'expérience, elle se sent plus en confiance, en tout cas, que la moyenne des femmes qui seraient plus jeunes ou qui ne seraient pas entrepreneurs. OK. Le deuxième partie des résultats... c'est que la performance des entrepreneuses, donc de l'autre côté cette fois, si on mesure la confiance qu'elles inspirent, eh bien, elles ont, c'est nettement meilleur, elles ont vraiment une meilleure performance lorsqu'il y a une femme business angel qui est présente lors de la plénière. Ça, c'est assez flagrant. Donc, ce n'est pas le fait que les femmes notent plus facilement les autres femmes. Ce n'est pas ça du tout, parce qu'il y a pas de... on montre que ce n'est pas le cas. C'est que c'est vraiment dans l'attitude de l'entrepreneuse. C'est-à-dire que s'il y a une femme dans l'assemblée des business angels, enfin au moins une, elle va se sentir plus en confiance et elle fera une meilleure présentation. En fait, elle va inspirer davantage la confiance.
Donc voilà, c'est vraiment exclusivement un problème de confiance en soi. Voilà, donc à 35%, elles ont des notes meilleures lorsque il y a au moins une femme investisseur dans la salle que par rapport à s'il y a que des hommes. Donc ça, c'est un résultat qui montre bien l'importance de la confiance en soi et que donc il faut qu'il y ait des femmes des deux côtés finalement. Ensuite, si on regarde, pour répondre à la question, est-ce que les femmes investissent dans les projets de femmes ? Eh bien, la réponse est non, pas plus, pas moins non plus. Et bon, ça, c'est assez, assez logique, hein, finalement. C'est des businessmen, des businesswomen comme les autres, c'est-à-dire qu'il faut que le projet soit bon, etc., pour qu'elles investissent. Donc, il n'y a pas de solidarité ou d'empathie, en tout cas pas dans le fait de mettre de l'argent. Donc, il n'y a pas de... Alors, dans les premiers essais qu'on avait faits, dans les premières années, il y avait quand même un effet où on voyait qu'elles mettaient un peu plus d'argent sur les projets de femmes. Bon, mais après, en ajoutant plus de données, on a vu que ça s'éliminait. Mais il y a une explication, en fait. C'est parce que les business angels femmes ont une meilleure connaissance des secteurs d'activité sur lesquels il y a les femmes entrepreneuses. Parce qu'on voit que les femmes entrepreneuses sont plutôt dans le secteur des services, mais les compétences des femmes business angels, c'est aussi plutôt sur les services. Donc c'est normal qu'elles investissent sur les projets qui sont dans des secteurs qu'elles connaissent le mieux. Donc là, il faut faire très attention et de ne pas dire « oui, elles investissent parce que c'est des femmes ». Ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment parce que c'est le secteur. Voilà. Et puis, il y a peut-être un deuxième effet, mais là, on n'a pas, ce n'est pas assez précis ce qu'on a pour pouvoir conclure. Mais on pourrait s'interroger sur le fait que les business angels femmes pourraient se sentir plus légitimes à coacher des équipes féminines que masculines. Puisque vous savez, hein, dans les business angels, il y a toujours ce deuxième aspect sur le mentorat. Et c'est vrai que mentorer une équipe exclusivement masculine, ça peut être peut-être un peu plus compliqué ou elle se sentirait moins capable. Mais ça, on ne peut pas conclure. Par contre, le premier effet sur la connaissance des secteurs, celui-là, il est vraiment flagrant. Alors, le dernier volet, c'est sur l'aversion au risque. Donc là, la réponse, vous allez voir, est un peu subtile, c'est pas du tout basique. Donc, on regarde deux situations. La première, c'est au moment de la plénière, quand il y a la présentation des projets à chaud, hein, leur réaction à chaud. Donc, dans un environnement menaçant, c'est ce qu'on a vu dans le premier volet. Donc, on va regarder la note de crédibilité financière et puis on va regarder le montant que le business angel aurait l'intention d'investir. Donc là, sur la perception de la crédibilité financière, oui, on a vu que les femmes notent plus sévèrement, donc ça veut dire qu'elles sont plus averses au risque, hein, elles ont de la réticence à donner un avis positif sur la crédibilité financière. Par contre, sur le montant, il n'y a pas de différence. En fait, quand elles disent « Ok, j'ai l'intention d'investir » et elles mettent un montant, bon, c'est à peu près comme pour les hommes, c'est à peu près 14 000, enfin entre 14 000 et 15 000, pas de différence. Donc, la conclusion pour la situation 1, environnement menaçant, c'est plutôt oui, plutôt averse au risque sur la perception du business plan, de l'affaire, mais sur les montants, non, pas plus que ça. Maintenant, mettons-nous à la fin, c'est-à-dire on regarde les montants que chaque business angel a réellement investi. Et un résultat nous est apparu qu'on n'avait absolument pas deviné en tout cas, c'est que si on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes, ce qu'on a appelé discordantes, c'est-à-dire que dans la situation 1, elles n'avaient pas mis de montant, mais parce qu'elles n'avaient pas manifesté l'intention d'investir. C'était plutôt non. Mais à la fin, elles ont mis de l'argent. Donc c'était un peu étrange, elles n'avaient pas manifesté d'intention en situation 1, en environnement menaçant, et puis en situation 2, elles mettaient de l'argent. Et quand elles mettaient de l'argent, c'est beaucoup plus. Et là, elles prennent plus de risques, puisque c'est quasiment 19 000 euros qu'elles mettent par rapport aux hommes, où c'est un peu moins de 15 000, 14 000 et quelques. Donc elles mettent un montant plus conséquent.
Alors, pourquoi? En réfléchissant, il se passe entre les deux moments à peu près 2-3 mois. C'est ce qu'on appelle la période de due diligence, je vous en ai parlé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous les business angels peuvent consulter une data room. Alors, pour ceux qui ne sont pas experts des introductions en bourse, les data rooms, c'est des pièces, des vraies pièces, des chambres, dans lesquelles on met tout un tas d'informations concernant la société. Mais c'est des informations confidentielles, donc il n'y a pas de photocopieuse. Vous rentrez, vous consultez, vous pouvez prendre des notes manuelles, mais c'est tout, et vous ressortez sans rien. Donc, c'est lors des introductions en bourse, on fait ça. Donc, c'est des analyses financières, évidemment des personnes triées sur le volet, puisque c'est des informations ultra confidentielles sur les introductions en bourse. Et à partir de là, on se décide. Donc là, c'est la même chose. Il y a une data room, mais c'est une data room virtuelle. C'est-à-dire que c'est un serveur où il y a toutes les informations de la société et que vous pouvez consulter de chez vous tranquillement. Donc là, en fin de compte, les femmes ne sont plus dans un environnement menaçant. Elles sont tranquilles. Elles ont tout loisir de regarder à leur guise les informations. Et donc, elles décident à ce moment-là, en toute sérénité, d'investir. Et quand elles investissent, à ce moment-là, elles prennent beaucoup plus de risques. Elles mettent un montant plus élevé. Donc la réponse, elle est compliquée. C'est plutôt oui pour celles qui disent tout de suite qu'elles vont investir. Mais par contre, pour celles qui se décident plus tardivement, c'est plutôt plus risqué, au contraire. Elles prennent plus de risques, elles mettent un montant plus élevé. Alors, il faut quand même essayer de regarder ce qu'on appelle les effets de patrimoine, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont plus riches? Peut-être qu'elles sont plus riches. Alors on n'a pas les feuilles d'impôt des business angels, hein, c'est une limite du travail, on ne peut pas le dire. Par contre, on a regardé la fréquence d'investissement de ces personnes. C'est la fameuse théorie du portefeuille de Markowitz, pour ceux qui sont en finance ou en économie, qui dit qu'on diminue son risque en se diversifiant. C'est un peu l'adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est cette histoire-là. Donc on investit dans des actifs différents, a priori qui ne sont pas corrélés, qui se comportent différemment. Et alors on s'aperçoit que les hommes font 2,1 deals, enfin opérations de financement par an, et les femmes 1,2. Donc elles en font moins. Donc au total, l'écart, il n'y a pas vraiment d'écart de montant en euros. Mais ils n'investissent pas de la même manière. Les femmes, c'est moins souvent, et à ce moment-là, plus, des montants plus importants. Il peut y avoir des biais, que par exemple, comme elles sont plutôt compétentes dans les services, enfin dans des secteurs stéréotypés non masculins, et comme il y a une offre de start-up moins importante, du coup, elles ont moins l'occasion d'investir. C'est peut-être ça aussi. Il faut toujours faire très, très attention aux conclusions. Donc voilà. Sur les résultats, je pourrais répondre aux questions. Donc, les conclusions. Bon, déjà, c'est la première étude dans le monde qui s'est intéressée aux caractéristiques des investisseurs privés et des créateurs d'entreprises, hein, face à face, parce qu'on a eu accès à des données privilégiées, hein, il faut le dire. Donc, on a pu voir qu'à la fois les femmes investisseurs et les femmes entrepreneuses pouvaient souffrir de cette fameuse menace de stéréotypes. Donc, c'est le cas. Et que ces stéréotypes négatifs n'apparaissent que dans les environnements menaçants, c'est-à-dire la situation 1, et pas dans les autres cas, qu'au contraire, il n'y a pas du tout de stéréotypes qui s'appliquent. Alors nos perspectives, j'avais eu l'occasion de discuter avec la présidente d'un réseau de femmes business angels, c'est que des femmes. Donc ça va être intéressant. Donc c'est le premier réseau de femmes business angels en Europe. Alors eux, leur processus est beaucoup plus rapide, plus simple. Donc j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elles et avec mon co-auteur, on va essayer de monter une problématique pour travailler pour voir la manière dont elles travaillent et pourquoi des entreprises vont plutôt voir un réseau de femmes plutôt qu'un réseau classique masculin. Et puis enfin, en termes de politique publique, on voit que l'éducation, tout ce qui tourne autour de la confiance en soi, c'est fondamental. Donc après, il faut trouver des moyens d'encourager l'entrepreneuriat féminin et puis d'encourager aussi les femmes à investir leur propre argent.
et que dès qu'on n'est pas en sous-nombre, les stéréotypes ont tendance à disparaître. Voilà.